Alors, cours de fessiers abductrices aujourd'hui. On va s'amuser. On va le faire facile, on va le faire difficile. Je ne sais pas encore. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que j'ai rajouté des sauts aujourd'hui. Donc, les personnes qui ne peuvent pas faire de sauts, vous ne sautez pas, évidemment. Ah, ok, mais il en faut pour tout le monde. Il y en a qui veulent bosser dur, il y en a qui veulent bosser un peu moins dur. Et il y en a qui ne veulent pas bosser. D'ailleurs, ça se voit et vous n'êtes pas nombreux. Donc, on va y aller. Hop, je vous mets en muet pour ceux qui sont sur Zoom. Voilà. Et on est parti. Inspirez là-haut. Expirez. Déjà, ça commence bien. Hein. C'est pas trop dur. Hein. Inspirez encore. Expirez. Et gauche. Encore. Encore. Ok, talon fesse. Allez, allez, allez. On double. Même chose. Le petit dernier, on repart. Hey! Genou maintenant. Encore. Parfait! Attention mesdames et messieurs, on double! Allez, allez! Et on repart! Wouh! On écarte comme moi les pieds et on monte! Avec ou sans le petit saut qui y va? Avec. On allonge la jambe devant. On garde le dos bien droit, on serre les abdos. Encore. Sur le côté, on garde la pointe de pied bien vers l'avant. Deux fois. On touche plus le pied par terre. Encore. Dans la dernière fois à gauche et à droite. Et dernière fois. On revient sur deux fois. On stabilise bien. On arrive au bout. Une seule fois maintenant. Et on reste qu'à droite. Encore. À gauche. Encore.
vous montez de 10 cm, ça va pas aller, hein. Allez, on écarte. On va commencer à faire travailler les cuisses et quadriceps. On va rester le pied gauche au sol et le pied droit qui bouge. L'arme est légèrement pliée. Encore. Encore. Même chose, même pied, sans poser le pied par terre. On est plié là. Encore. Dernière série. On est plié. 7 et on alterne. On gardera le pied droit. Encore. Encore. Et on pose le pied à chaque fois. Encore. Dernière série, bien en bas, fléchissez sur vos jambes. 6, 7, alternance. Je change. Pop, 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 et je ralentis. Hop, 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 on lève les bras quand on descend. Ça vous permet de descendre plus bas. On reste. Bravo. Parfait. Je vous propose. Ah bon. De rebond, 3 rebonds, un petit saut, 1, 2, 3, 4, et 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 1, 2, 3, on reste. On rapproche. Pieds écartés large à deux montres au bassin. Fesses vers l'arrière. Bras vers l'avant. On est au milieu. En bas. 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 Au milieu. On reste au milieu. On reste au milieu. On reste en bas. On reste en bas. Ouais, 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 ouais. On est en bas, on est en bas, on est en bas. On est en bas. Là. Encore, encore, encore. Voilà, voilà, voilà. On est tout en bas, on monte, on lève le pied droit. On est tout en bas. Pied droit. En bas. Pied droit. En bas. 4. En bas. 5. En bas. 6, en bas, 7, c'est bien, en bas, 8, l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste en bas. Et saut en bas.
saut en bas. Saut, je rappelle, si vous ne pouvez pas sauter, pop. Ah, d'accord. Hop. 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 Hop, on descend piscine. Hop. Hop, on regarde devant soi. Hop, merci Babette. Hop, on reste en bas. On reste en bas. Ça brûle. On reste en bas, on reste plus bas. On regarde devant soi, on me regarde, on me regarde, on me regarde. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on commence à monter. 1, on est là-haut et droite. 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 Droite, droite, gauche, gauche. Wouh! Ça va bien? T'as l'empêche? Ah, et là on sent que c'est dur quand on avait le talon à la fesse. Oh là là! Voilà! Droite, gauche. Écartez les pieds! Écartez bien! Et on va descendre à droite! À droite! À droite! Ouvrez la pointe de pied. Genou qui va dans le prolongement de la pointe de pied. Les fesses qui partent vers l'arrière. On stabilise bien. On inspire la descente, on expire la montée. Stop! Et on repart. Oh. 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 Et stop en bas. On peut lever la pointe de pied, descendre un peu vers l'arrière, ça étire en même temps. Là, on est bien. Pour 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2 et 1, alterne. Récupérez. Encore. Toujours. Allez, et attention, à gauche. Fesse à l'arrière, genou vers la pointe de pied. On descend le plus bas possible, les bras en équilibre devant. Ça va? Attention mesdames, on reste en bas. Et on repart. Descendez bien. C'est bien. On reste en bas, bravo tout le monde. On peut lever la pointe de pied, pousser les fesses à l'arrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte, alterne à droite, à gauche, 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 droite, gauche, on remet les pieds. Marchez. Main sur les hanches. Main sur les hanches. Pied droit devant. Genou gauche au sol. Voilà, et on monte, et on descend, et on monte, et on descend, et on monte, on essaie de ne pas pencher le buste en avant, de descendre le plus droit possible, le plus vertical possible. Oui, parfait. On a bientôt fini, hein. Wouh, on reste en bas. Deux solutions, vous ne bougez pas à la première. Et vous,
faites des sauts pour changer de pied la deuxième, ok? Hop! 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 Et on revient sur la même jambe. On remonte tout le monde. On marche. Et on change de gambette. Et on y va! En haut! En bas! 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 En haut! Hé 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 hé! On reste en bas! Sans toucher le sol, pas possible du sol! Avec saut ou sans saut, comme vous voulez, vous bougez ou ne bougez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là, 7 et 8. Et on remonte, marchez. Inspirez. Expirez. Encore. Ouais. Et expire. Parfait tout le monde. Vous allez boire un coup? S'il vous plaît. Wouh. Et vous allez prendre votre tapis. Voilà. Pieds du tapis. Et on attaquera les fessiers. Vous allez vous allonger sur le dos. Allongez sur le dos, pieds au sol, jambes pliées. Pieds écartés largeur de bassin. Bras le long du corps, vous ferez très attention à votre dos, vous ne devez pas creuser votre dos. Donc dans un premier temps, vous devez plaquer le dos au sol. Ok? Ensuite, dans un deuxième temps, l'objectif est de lever les fesses et de lever le dos sans le creuser. Et de redescendre sans retoucher le sol avec ses fesses. Évidemment, pour les personnes où je vois le mur en haut, descendez votre caméra pour que je puisse vous voir. Ok tout le monde, en place, et on est parti, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, encore, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, deuxième série, pour 8, soufflez à remonter, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, remontons en haut, 1, 2, 3, vous descendez, attention à ne pas creuser le dos, 1, 2, 3, vous descendez, et 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 1, 2, 3, vous descendez. Et 1, 2, 3, vous descendez. Et là, hop, vous restez là-haut. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. Voilà. Venez, levez la jambe droite. Oui. On va commencer par le dur. Avancez la jambe droite pour que là, les cuisses soient alignées l'une à l'autre. Et on descend, on monte. On descend, on monte. Appuyez bien sur votre talon. 3, 4, 5,
6, 7, 8, une deuxième fois, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en haut, on lève le pied là-haut, 3 rebonds, fesses, fesses, fesses et on descend, 1, 2, 3 et on descend, et 1, 2, 3 et on descend, et 1, 2, 3, le pied droit est là-haut, 1, 2, 3, d'accord, en bas, 1, 2, je crois que c'est un oubli, Marinette, c'est pour ça. 1, 2, 3, en bas. 1, 2, 3, en bas. On reste en haut, on amène le pied droit sur la cuisse. Allez, on fait que des rebonds là-haut. Et pop, et pop, et pop. Hop, 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 encore. Hop, 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 hop. Et hop, vous relâchez. Amenez les deux genoux sur la poitrine avec les mains. Tirez les genoux sur la poitrine. Voilà. On écarte les pieds de nouveau, un peu plus que la largeur du bassin cette fois. Et on repart. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. En bas, encore, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, toujours, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, petit 3 fois, 1, 2, 3, et on descend, et 1, 2, 3 et on descend. Et 1, et 2, et 3, descendez. Et 1, et 2, et 3, cela fait 4. Et 1, et 2, et 3, cela fait 5. Et 1, et 2, et 3, cela fait 6. Et 1, et 2, et 3, cela fait 7. Et 1, et 2, et 3, cela fait 8. On reste en haut, rapprochez le pied. On allonge la jambe gauche dans le prolongement de la cuisse gauche. Et on est parti. En bas, en haut, en bas, en haut. Les fesses descendent, les fesses montent. 3, 4, 5. Alignez la cuisse avec l'autre cuisse. Si, s'il y a des cuisses qui sont trop hautes. 7, 8. Chantal, descends ton pied. 2, voilà. 3, et oui. 4, c'est pas pareil. 5, encore. 6, toujours. 7, dernière, et 8, on lève le pied là-haut, 3 rebonds, fesses, coup de fesses et on descend, et 1, 2, 3 et descendez, et 1, 2, 3 et ça fait 3, et 1, 2, 3 et ça fait 4, et 1, 2, 3 et ça fait 5, et 1, 2, 3 et ça fait 6, et 1, 2, 3 et ça fait 7. Et 1, 2, 3 et ça fait 8. On reste en haut, pose le pied sur la cuisse et que les rebonds. Ouais. Encore. Et on relâche. On pose les pieds au sol, pardon, on attrape les genoux dans les mains, on vient tirer, excusez-moi. On pose les pieds, on écarte encore un petit peu plus. On fait attention à la position de son dos, on ne creuse pas le dos. Et là, on repart. En haut, en bas, en haut, en bas. Appuyez les talons au sol, levez les pointes de pied. Gardez les pointes de pied levées. Je rappelle que les pointes de pied, ce ne sont pas les talons. Les talons restent au sol sur les pointes de pied qui sont levées. Voilà, voilà, voilà. En haut. En haut. En haut. En haut. Et à chaque montée maintenant, vous allez ouvrir les genoux un petit peu plus. On ouvre et on revient. On ouvre et on revient.
Et en plus de ça, on va contracter les fessiers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Parfait. Petits en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4. Et pas de pieds sont toujours levés. Hein. Et on reste en haut. Pointe de pied levée, fesses à haut contractées. Et on ouvre les genoux et on revient. On ouvre, on revient. On ouvre, on revient. 4, 5, 6, 7, 8 et on relâche. Attrapez vos deux genoux dans les mains. Tirez bien. Wouh! Posez les pieds. Hop. Levez les fesses. Là, on ne bouge plus. On va juste contracter volontairement les fesses. On contracte les fesses. Encore, encore, encore plus fort. Encore, sentez vraiment les muscles qui se contractent. Allez, 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 allez. Et on relâche. On va écarter les pieds un petit peu plus. On va lever. Monter. Et pareil, on serre les fessiers volontairement. Serrez, 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 serrez. Vous touchez les fesses, c'est dur, hein. Pardon, vous touchez vos propres fesses, bien sûr. Voilà, contractez, 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 contractez. Encore, 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 plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et on relâche. On écarte encore un tout petit peu plus ses pieds. On lève les pointes de pied. On monte de nouveau tout là-haut. Fais attention au dos, ne pas le creuser. On rentre le ventre, on serre tout ça. On ouvre les genoux et on contracte. Contracte, contracte, contracte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait. On peut remonter et on peut aller boire. Ah, ma connexion internet est instable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne un cours? Non? Bizarre. Hein? Ah, mais il y a quelqu'un là-haut. Ah ben c'est peut-être, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais. Ah mais c'est bon là, c'est reparti. C'est reparti, il y a juste un moment où... C'est bon, tout le monde a vu? Tout le monde transpire des goulines comme moi. C'est ce que j'allais dire. Ah mais je fais les cours, moi, qu'est-ce que tu crois? Ah mais j'en ai qui me dit, tu transpires. Je dis, bah oui, mais quand il y a cours, je fais cours. Moi. Je me donne. J'ai des besoins de ma sœur comme vous. Ok, allez, on attaquera les abdos à partir de maintenant. Allongé sur le dos. On va commencer par les plus classiques de nos abdos. On pose les pieds au sol, on plaque le bas du dos, on rentre un peu le ventre, on serre les muscles du périnée pour vraiment avoir un plancher bien solide. Main derrière les oreilles, tête levée. Attention pour rentrer le menton sur la poitrine. Hein. On soutient la tête avec les mains, mais on ne pousse pas la tête. Et on décolle les omoplates et on revient. On y va. Souffle, inspire, souffle. Inspire, en haut, en bas, en haut, en bas, encore, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, toujours, et 8, et 7, et 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 rebonds pour 1, 2, 3 et on descend. Et 1, 2, 3 et on descend. Et 1, 2, 3 et on descend. Souffle, souffle, souffle et inspirez. 1, 2, 3 et descend. Et 1, 2, 3 et descend. Et 1, 2, 3. Monteur de temps, descendeur de temps. Milieu, haut, milieu, bas, milieu, haut. Milieu, bas, milieu, haut, milieu, bas, milieu, en haut, milieu, en bas, milieu, et en haut, et milieu,
en haut, milieu, en bas, milieu, en haut, milieu, en bas, milieu, en haut, milieu, en bas, milieu, en haut, milieu, et on repart, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, encore en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, petit rebond, pas trop, sentez bien vos abdos qui travaillent, plaquez le bas du dos, n'ayez pas mal au dos. 5, 6, 7, 8, encore et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, vous relâchez. Oh, ça fait du bien quand on relâche. On lève les jambes là-haut. Après, on va travailler avec le haut, on va travailler avec le bas. Bras le long du corps, jambes légèrement pliées. On essaie de détendre les cuisses. Ce ne sont pas elles qui vont nous faire enrouler le dos, ce sont nos abdos. Donc, moins d'élan on prend, mieux c'est pour les abdos. On y va, on enroule. On revient. Enroule, revient. Enroule, revient. 4, 5, 6, 7, 8, deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on relâche. Ouais, c'est facile là, quand on relâche. Hein. Hein? Voilà, ça c'est parfait. On va rester 3 temps là-haut. On reste là où ça travaille, pas là où on est à l'aise, d'accord? On est là-haut, on s'adapte les bras s'il faut. Et 1, 2, 3, et on descend. Et 1, 2, 3, et on descend. Et 1, 2, 3, et on descend. Et 1, 2, 3, et ça fait 4. Et 1, et 2, et 3, et ça fait 5. Et 1, et 2, et 3, et ça fait 6. 1, 2, 3, et ça fait 7. 1, 2, 3 et ça fait 8, on relâche. Parfait tout ça. Impeccable, on va enrouler, monter les fesses plus haut, enrouler et reposer les fesses. Et le mouvement sur 4 temps, vous connaissez par cœur avec moi. On y est, enroule, monte, enroule, descend. Enroule, monte, enroule, descend. Enroule, monte, enroule, descend. Enroule, monte, enroule. Descend, enroule, monte, enroule, descend, enroule, monte, enroule, dernier, enroule, monte, enroule et relâche. Impeccable. Ok, on remonte les pieds. Ouais, ouais, une dernière fois, sauf que là on n'aura pas les jambes allongées, on aura les jambes pliées et croisées. Là, ok, et on aura les bras. Allez, je propose d'avoir les bras qui soutiennent la tête. Là, ici, on peut poser la tête si on veut. Et on enroule le dos et on revient. Enroule et revient. Évidemment, si vous n'arrivez pas à enrouler le dos comme ça, n'hésitez pas à mettre les bras le long du corps. Le dernier. Et on relâche. Et on va le refaire une deuxième fois si là, il est bien. Faites attention quand vous montez les genoux, la poitrine, là, de ne pas allonger les jambes. On ne donne pas l'élan avec les jambes. Ok, on garde les pieds croisés, jambes bien pliées et on vient retour. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on relâche. Wouh! Impeccable, parfait. On ramène la main droite derrière la tête. Ok, bras gauche le long du écarté. Voilà. Et on va monter le bras droit, le coude droit. On va tourner, on va monter le genou. Et on descend, le genou opposé bien sûr. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une deuxième fois, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 3, rebonds là-haut. 1, 2, 3, fais ton rebond avec le genou aussi. 1, 2, 3, et cela fait déjà 2. Et 1, et 2, et 3, voilà le troisième. Et 1, et 2, et 3, le quatrième. Et 1, et 2, et 3, et le cinquième. Et 1, et 2, et 3, et le sixième. Et 1, et 2, et 3, et le septième. Et 1, et 2, et 3, et le huitième. Parfait! Impeccable! Vous allez vous mettre, vous allez vous tourner. Voilà, pour toujours face au miroir. Attrape, posez le genou au sol. Plusieurs solutions s'offrent à vous sur ce mouvement-là. Soit vous gardez la jambe de terre pliée, le genou au sol. Soit vous tendez les deux jambes pour travailler les obliques. Ok? On y est? Hop! En place, on est fort sur l'épaule. S'il y a du grabuge, on pose la main. Et on monte. Et on revient. Et on monte. Et on revient. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. On le fait de l'autre côté. Tout de suite, comme ça, ce sera fait, on n'en parle plus. Ce qui nous permettra d'y revenir après. On va laisser les épaules se reposer. Hop, on y est. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on relâche. On revient s'allonger sur le dos. La main gauche est derrière la tête. Le bras droit est écarté. Hop. Et on va monter en tournant. Amener le genou vers le coude et surtout le coude vers le genou. Et on revient. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut. En bas, 4, 5, 6, 7, 8, une deuxième fois, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, rebond, 1, 2, 3, et on revient, 1, 2, 3 et on revient. 1, 2, 3 et on revient. Et 1, et 2, et 3 et on revient. Et 1, et 2, et 3 et on revient. Et 1, et 2, et 3 et encore. Et 1, et 2, et 3. Le petit dernier. 1, 2, 3 et on relâche. On vient se positionner sur l'avant-bras. Droit. Le dernier qu'on a travaillé. Là. Et là, au lieu de monter et descendre, on va faire des petits rebonds là-haut. Oh oui, des petits rebonds là-haut. On y est. Yep. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et on relâche. Passage sur les fesses, vous pourrez toujours être face à moi, que je vous regarde travailler. Là, on appuie sur l'avant-bras, un pied devant, un pied derrière, ou des deux pieds à saut, ou un genou au sol. On choisit sa position, on est là-haut, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toujours très fort sur l'épaule, 1, derrière Marie-Françoise, 4,
assis. Sur les fesses, évidemment. Nous levons les pieds. Nous sommes dans l'appui fessier avec les mains qui attrapent les genoux. Facile. Voilà, un gainage en redressant le buste tout en étant penché, en enlevant les bras et en serrant le ventre. Là. 8. 7. 6. Le dos est bien droit. 5. Il est penché mais bien droit. 4. 3. 2. 1. Posez les pieds. Rameur. Pieds au sol, bras devant. Pieds levés, bras pliés. Hop. 1. Hop. 2. Hop. 3. Hop. 4. Hop. 5. Serrez bien votre ventre. 6. 7. Et 8. On relâche. On redresse le dos en détente. Et on fait une deuxième fois, c'est dur. Ouais, bien sûr. On y go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On relâche. Wouh. Allongez-vous sur le dos. Allongez sur le dos. Vous allez attraper vos deux genoux dans les mains. Voilà. Une fois que vous avez les genoux, vous faites des cercles avec vos genoux pour masser un petit peu le bas du dos. Puis dans l'autre sens. Voilà, très bien. Vous posez le pied droit au sol, pied gauche à la cuisse. On lève le pied et on vient tirer. On vient attraper le genou, pardon, avec ses mains. J'étais parti dans mes pensées. Là, genou droit attrapé avec ses mains, la main droite à l'extérieur, la main gauche qui passe dans le triangle formé par les deux jambes. Et nous tirons tranquillement. Voilà, très bien. Évidemment, il faut que le pied soit sur la cuisse. Si vous avez mis le mollet sur la cuisse, ça tire beaucoup moins. On relâche, on change de côté. On met bien le côté du pied sur la cuisse. On ouvre bien les genoux et on soulève et on l'attrape. Et on tire, évidemment. Parfait. On revient. On allonge les jambes là-haut sans détendre. On écarte les pieds. On met les mains à l'intérieur des genoux. Et on tire légèrement pour sentir les adducteurs s'étirer. Voilà, forcé. Impeccable. On relâche. On attrape les genoux dans les mains. On rentre la tête. Le pied qui me gère en plusieurs fois. Hop. On est là-haut. On allonge les jambes sans forcément les tendre. On attrape les chevilles, les semelles. Et on vient tirer sur nos jambes. Alors les jambes peuvent être pliées au début. Petit à petit, on va les étirer, on va les allonger. Mais par contre, faites attention à la posture de votre dos. Pas de tête en rentrée. On regarde un peu devant soi. On redresse bien le dos. Voilà, pour que la colonne vertébrale forme un bâton et pas un rond. Donc objectif, ne pas tendre forcément les jambes. Privilégiez le bâton du dos que les jambes tendues, Chantal. Ouais, fléchis tes jambes et place-toi ton dos. L'attitude comme ça. Redresse ton dos. Voilà, fléchis tes jambes et cherche à pousser le ventre vers l'avant sans pour autant enrouler ton dos. Waouh, waouh, waouh. Parfait. On relâche. On vient se positionner sur les genoux.
On écarte un petit peu nos genoux, on redresse le dos là-haut, on lève le bras droit, on va venir poser la main gauche sur le mollet et on vient pousser sur le côté. Hop là, voilà. Impeccable, l'autre côté. Et on revient. On ramène les deux genoux. On lève les deux genoux. On est sur nos pointes de nos pieds. Yes. On lève les fesses là-haut. On déroule la colonne vertébrale. On se redresse tranquillement. Et messieurs, dames, vous savez quoi? Vous avez fini pour ce cours-ci. C'est pas beau ça? Vous avez bien travaillé, vous êtes bien donné. Vous